Débordo Likoumfa fait une sortie fracassante. Sa prophétie sur Carmen Sama est-elle en train de s'accomplir? Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Débordo Likoumfa dit merci à Carmen Sama, la veuve du bureau de Sama, pour son ingratitude. Débordo prédit un sale temps à Carmen Sama, la veuve de Didier Arafat avec les Chinois, et lui disant merci pour son ingratitude. Avant lui, ce fut l'écrivaine Mawa Bakayoko d'adresser un message à la veuve de Ouan Ange Didier, décédée le 12 août 2019. Mariée jusqu'à la mort avec Arafat, Carmen Sama est mariée à vie aux Chinois. Une relation lourde de conséquences, l'état de grâce que lui accordent les Chinois ne saurait durer. À 20 ans, on n'est qu'au début de son existence. On tombe facilement, mais on se refait sans grand dommage. Parce qu'on a le temps pour nous, comment les Chinois verront-ils ça ou ces nouvelles relations amoureuses en satisfaction ou en trahison? Rien n'est su. À l'heure des réseaux sociaux, la trappe ne serait qu'un jeu d'enfant, a déclaré Mawa Bakayoko. Le showbiz se prononce sur l'affaire Carmen Sama. Didier Lewis révèle un grand secret caché d'Arafat sur sa relation avec Carmen Sama. Didier Arafat était en couple depuis des années avec Carmen Sama, la mère de sa dernière petite-fille Ravna Ouan. À en croire des sources proches de la famille du Dajikan, les deux étaient vraiment amoureux et se respectaient mutuellement, ce qui avait même conduit le Yorobo à faire le mariage traditionnel avec la très belle Carmen Sama. Déjà très discrète avec la mort de la star du coupé décalé, est venue imposer la jeune femme un nouveau style de vie très exigeant pour ne pas attirer la colère des Chinois et autres proches d'Arafat dans un milieu où il était considéré comme le boss de la nouvelle génération et sûrement l'artiste le plus aimé. Malheureusement, une vidéo de la très jeune veuve viendra quelque peu écorner son image dans le grand public du showbiz ivoirien en lui attirant des critiques de partout sur la toile. Néanmoins, dans ces temps difficiles pour Carmen, Carmen Sama pourra compter sur le soutien de certains de proches collaborateurs de Didier Arafat, tels que Didier Lewis. S'adressant à la veuve de son défunt ami, Didier Lewis révèle des secrets que lui aurait confessé Didier Arafat au sujet de sa femme. Selon lui, quand Arafat a fait la rencontre de Carmen Sama, il lui aurait révélé lui-même qu'il aimait beaucoup sa femme et qu'il était très heureux de vivre avec elle et de l'avoir comme pour épouse à ses côtés. Une révélation qui pourrait faire plaisir à la jeune dame, vu que le Dajikan ne communiquait pas beaucoup sur ce sujet et était un homme très facile face aux femmes belles.